bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une astuce vraiment très facile à mettre en application pour améliorer votre compréhension orale, écrite et votre prononciation en espagnol. Juste avant de vous dévoiler, de vous montrer comment appliquer cette astuce, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou juste ici. C'est gratuit, c'est un kit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc, l'astuce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'astuce shadowing, qui veut dire, donc shadow en anglais, ça veut dire ombre. Et donc, je vais vous montrer comment l'appliquer grâce au podcast en espagnol. Je vous mets les photos, l'image juste ici. Les podcasts en espagnol, ce sont des audios à écouter avec le script qui sont donc disponibles. Je vous mets le lien en description pour les recevoir et je vous montre tout de suite comment mettre en application ce conseil de l'autre côté de l'écran. Alors, dans ce bonus, nous allons voir une technique pour avoir un meilleur accent, une meilleure prononciation, une meilleure compréhension orale et une meilleure compréhension écrite. Tout ça, rien qu'avec une simple petite astuce que je vous invite vraiment à pratiquer parce que je sais que la plupart des élèves aiment bien cette astuce, c'est assez ludique et en plus c'est vraiment très très efficace. Donc pour ça, je vous renvoie donc à vos podcasts d'espagnol qui sont disponibles donc dans l'onglet bonus de votre formation. Et donc là, vous avez donc les différents niveaux et donc moi j'ai pris un podcast du niveau A2. Donc j'ai le script ici et donc j'ai l'audio de l'autre côté. Et donc on va appliquer la technique du shadowing, donc qui consiste à écouter en audio et lire en même temps. Donc on va découper ça en plusieurs étapes, c'est-à-dire que la première fois vous allez déjà écouter votre audio. Vous allez avoir le texte sous les yeux, vous allez le suivre dans votre tête. La deuxième étape, ça sera d'écouter et de lire juste après. Vous allez faire pause. Je vais vous faire un exemple juste après, vous montrer un exemple juste après. Donc vous faites pause, vous relisez à voix haute, c'est très important à voix haute. Et vous continuez comme ça, phrase par phrase. Et ensuite, le troisième niveau, eh bien, c'est que vous allez écouter et lire en même temps. Donc, l'idée, c'est que votre voix se colle en même temps que la voix de l'audio. Ainsi, ça va vous habituer à aller beaucoup plus vite, à imiter ce que vous entendez. Parce que c'est surtout comme ça, en fait, qu'on développe son oral et surtout sa prononciation. C'est en imitant, en faisant comme si. Donc, on va faire un petit exemple. Hop. Disculpa, está libre esta tarde para nuestra junta. Donc là, on va passer directement au deuxième niveau, à savoir écouter et répéter. Disculpa, está libre esta tarde para nuestra junta. Esta tarde ya tengo algunas reuniones planeadas. Esta tarde ya tengo algunas reuniones planeadas. Et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Donc, on va reprendre du départ et le faire en même temps. Donc, troisième niveau. Disculpa, está libre esta tarde para nuestra junta. Esta tarde ya tengo algunas reuniones planeadas. Enfin, vous allez voir, c'est pas du tout un exercice facile quand vous êtes au troisième niveau. Mais justement, le fait de vous caler sur ce rythme, ça va vraiment vous aider à développer votre fluidité dans la langue. Et surtout, là en plus, qu'on vient de faire, donc le niveau A2, vous avez deux versions de cet audio. Vous avez une version lente ou vous avez une version rythme native. Et donc, l'idée, c'est que vous y arriviez aussi rapidement que le rythme natif. Es un trato. Está bien, hagamos eso. Voy a hacer la reservación. Libre. Donc ça, c'était la version rapide. Podría ser mañana por la mañana. Déjeme pensar. Reuniones planeadas y esta noche tengo que irme temprano. Disculpa, está libre esta tarde para nuestra junta. Voilà. Reservación. Disculpa, está libre. Voilà, là c'est la version un peu plus rapide. Disculpa, está libre esta tarde para nuestra junta. Esta tarde ya tengo algunas reuniones planeadas. Voilà, vous voyez, à force de le faire, eh bien ça devient beaucoup plus fluide.
Et donc, en dessous, vous avez les mots de vocabulaire. Vous pouvez faire le même exercice. Je vous invite vraiment à le faire avec tous les podcasts. Il y en a 50, il y en a 10 par niveau. Et franchement, si vous le faites avec tous les podcasts, ça va vraiment faire décoller votre prononciation, votre compréhension orale. Et évidemment, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous cherchez la signification dans le dictionnaire, vous l'écrivez. C'est pour ça qu'il y a de la place juste en dessous pour écrire d'autres mots, les traduire et les réviser. Donc j'espère que vous avez apprécié ce conseil. Si vous avez vu, c'est vraiment très très simple à mettre en place. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo, de mettre en commentaire si vous connaissiez, me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cette astuce et de vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, ça m'aidera à être encore plus visible, à aider encore plus de personnes. Donc je compte sur vous pour votre soutien et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao les amis.